Si est un sujet qui a passionné les chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Ce vendredi 21 janvier, Cyril Hanouna et sa bande recevaient Frédéric Saldman, qui publie un nouvel ouvrage, La santé devant soi. Sur C8, tous ont profité du passage du docteur médiatique pour évoquer des sujets très intimes. À l'instar de Mathieu Delormeau, qui souffre d'un petit souci au-dessous de la ceinture. Visiblement un peu gêné, le chroniqueur a posé une question en évoquant le problème de l'un de ses très bons amis. J'ai un très bon ami qui a une petite quarantaine d'années, que j'adore, et qui n'a plus d'érection le matin, a commencé la colite de Cyril Hanouna. En plateau, l'animateur de Touche pas à mon poste a cru comprendre que Mathieu Delormeau ne parlait, en réalité, pas de l'un de ses amis, mais bien de lui-même. Ce qui a provoqué un fou rire autour de la table. Est-ce qu'il y a des plantes ou des trucs à prendre? Si est-il quoi? Si est-il un mauvais signe? A continué le chroniqueur, qui veut tout faire pour régler ce petit problème intime. En face de lui, Frédéric Saldman a affirmé que le fait de ne pas avoir d'érection matinale à 40 ans, était un souci. Selon le docteur, l'ami de Mathieu Delormeau doit essayer de savoir pourquoi parce que ce n'est pas normal. De toute façon, chez l'homme, quand il y a des érections instables, ou autres, on fait un bilan notamment. Mathieu Delormeau a eu plusieurs centaines de conquêtes mais, néanmoins, il y a de toutes petites choses qui peuvent relancer cette libido, a conclu le spécialiste, sans pour autant donner les petits secrets. Dommage pour Mathieu Delormeau, qui n'est jamais pudique lorsqu'il s'agit d'évoquer son intimité. Il y a quelques semaines, le chroniqueur choquait le plateau de Touche pas à mon poste en révélant le nombre impressionnant de ses conquêtes, entre 600 et 800. Mais j'ai 47 ans, j'ai été en couple que pendant 6 ou 7 ans. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des vacances à Mykonos, je ne vous raconte même pas, plaisantait-il. Il y a eu des nuits interminables. Tu étais à l'hôtel, tu partais en boîte de nuit, tu enchaînais les allers-retours en scooter toute la nuit. Je suis curieux de l'homme, de l'être humain. Loading widget.